dit des fois, c'est mieux d'être au courant. Il m'a fait mon quartier, je me suis mouvant malhonné. Merci. Distingués invités, mesdames, messieurs, bonsoir. Marie-Ève, bonsoir. Bonsoir, Hugo. Bonsoir, tout le monde. Évidemment, pour nous, c'est un plaisir que d'animer ce gala, mais on tient à vous dire que pour nous, c'est simplement une soirée à laquelle on remet les plaques au nom de toute une équipe qui travaille derrière scène. Et avant même de commencer, j'aimerais ça qu'on salue les membres optimistes d'une façon assez chaleureuse, s'il vous plaît. Donc, à tous les membres qui ont participé à cette soirée. Message à son rythme. Aujourd'hui, il commence à lire de plus en plus et il a beaucoup plus confiance en lui. D'ailleurs, il est beaucoup plus actif en classe et beaucoup plus épanoui avec les autres. Bravo, mon grand, et continue. Je suis prendre ta place, Madame Alonso. Alex Minot. Le beau Alex est un petit garçon fougueux qui aime se démarquer avec son sens de l'humour. Il adore participer au bon fonctionnement de la classe et faire rire Madame Isabelle. Il est conscient de ses défis et accepte de travailler les différents moyens pour les relever. Il a développé une belle autonomie et un sens de responsabilité. Dès qu'un de ses coéquipiers a besoin d'aide, il est au rendez-vous. Il est attentionné, serviable et coupé. Chloé Boileau. En début d'année, Chloé avait peu confiance en elle. Perfectionniste, elle voulait réussir tout de suite. Elle se décourageait au moindre défi qui se présentait. Malgré tout, elle a su être persévérante et a fait preuve de ténacité en prenant ses défis de façon positive. Fière de toi, ma belle, Madame Tapelle. Marguerite Renaud. Marguerite est comme une petite fleur. Elle s'épanouit lentement et sûrement. Sous son air, Angélique se gâte pour la prochaine école dans l'école Saint-Jean-Brévin. Virginie Leduc-Bastien. Notre belle Virginie est une jeune fille de maternelle douce et calme. Sa vivacité, d'esprit et l'étendue de ses connaissances font d'elle un véritable atout dans la classe. Sociable, affectueuse, attentionnée, tous aiment être en sa compagnie. Timide, avec Rosalie Bellil. Rosalie est une élève douce, calme et de bonne humeur. Elle aime beaucoup aider et rendre service. C'est que nous accueillons l'école du Boisé Nationaliel. Alors, débutons avec Pascal Desjardins. Depuis le début de son cheminement scolaire, Pascal a fait d'énormes progrès. Il est maintenant capable de faire avec un minimum d'aide. Il a énormément développé son autonomie. Il respecte les consignes de l'école. Sébastien Sanchez. Sébastien is a hard-working student who is very well liked by all of his classmates. He pays attention to his lessons and has worked hard all year. Thank you.
Des petits oursons. Depuis son arrivée en septembre 2011, Chloé a su nous éblouir. Chloé a cheminé énormément depuis qu'elle fréquente l'école. Cœur sur la main, il est serviable, souriant et positif. Il est toujours disponible pour rendre service et donner un coup de main sans qu'on le lui demande. C'est un élève qui ne juge pas les autres, il les prend tels qu'ils sont. Madame Sonia. Evan, je veux te dire bravo pour tous les beaux efforts que tu mets dans ton travail. Tu fais de ton mieux et maintenant, tu essaies à la place de dire que tu n'es pas capable. La première récipiendaire, Naomi Pilon. Naomi est arrivée en septembre à la maternelle. Elle était très attachante et souriante. Comme la plupart des enfants, elle a dû s'adapter à la routine. Un enfant a des difficultés d'apprentissage et qui a fait preuve d'une grande détermination, d'efforts constants, d'un comportement exemplaire et offre beaucoup d'aide aux enseignants. Mégane Tremblay. Mégane est une jeune femme qui est toujours de bonne humeur, souriante et pétillante. C'est un véritable rayon de soleil dans une salle de classe. Elle est sociale et parle à tous ses parents. Oui, un peu d'énergie pour la dernière partie de la soirée. Elliot Lalonde. Au début de l'année, Elliot a eu besoin de temps pour s'adapter à sa nouvelle vie scolaire. La présence de sa famille lui manquait beaucoup et il a trouvé cela très difficile. Cependant, il a su surmonter. Manu Bourassa. Bravo Manu pour tes efforts, tu as de la bonne volonté et le désir d'apprendre. Tu es persévérant et minutieux. Ton cheminement dans tes apprentissages s'améliore de jour sensible. Au début de l'année scolaire, elle pleurait chaque matin et le monde scolaire était bien grand et représentait un gros défi pour elle. Jade... Dédard d'abord, aussi. Jade Rosan. Jade est une élève dotée de très grandes qualités comme la persévérance, le goût du travail bien fait, l'autonomie et surtout l'implication. Beaux efforts de Valérie. Grâce à son beau travail, elle a fait des progrès remarquables. Sa progression se situe à plusieurs niveaux. Se déplacer à l'aide d'un déambulateur, commencer à apprendre à se propulser à l'aide de son... Jessica Laflamme. Jessica s'est démarquée par sa persévérance et son assiduité au cours de danse. Elle a fait des premières remarquables depuis le début. De secondaire en spectacle, Laurence Morin. Secondaire en spectacle et d'un concours met de l'avant le fait français. C'est aussi une histoire de persévérance, d'engagement et d'entraide. Laurence s'est donnée comme mission. Du corps de cadet Kens 73, bassin de la Lièvre, adjudant Frédéric Landriot. Adjudant Landriot. On est à sa cinquième année au corps de... Moi, premièrement, je voudrais remercier sincèrement Clotilde Bocquignard pour l'invitation. Depuis le 1er octobre, j'ai parcouru le Canada, les États-Unis, le Sud, on va faire les Caraïbes. On essaie de visiter la plupart des régions. Normalement, on ne visite pas des clubs. Mais lorsque Pierre Latour m'a demandé d'être présent l'an passé,
m'expliquer un peu le programme. Je ne l'avais jamais vu, même si on a une grammaire. Donc, j'ai vraiment, vraiment apprécié la soirée. Il y a trois mots que j'ai appris ce soir. Le premier, c'est la détermination. Les jeunes qui ont passé devant nous sont excessivement déterminés à réussir. Mais ils sont aussi bien aidés. C'est drôle à dire, ceux qui les aident le plus, c'est leurs parents. Je vous remercie, les jeunes, pour vos efforts, mais je remercie aussi les parents pour l'appui. Dans toute organisation, on se doit de faire un effort additionnel, soit recruter des nouveaux membres, même essayer de fonder des nouveaux clubs, essayer d'aller des choses selon les années qu'on est. On est dans le 21e siècle, et j'ai remarqué à certains endroits, on se pense encore au 19e. Il est temps qu'on arrive au 21e. Je pense que la jeunesse qu'on a ici sont ceux qui vont nous amener vers le futur. Moi, cette année, l'optimisme international a un thème qui est l'optimisme inspiré de meilleur chez les jeunes. Moi, j'ai rajouté pour le futur. Parce que notre futur est dans leurs mains. Nous, on peut les amener à une certaine étape, mais eux doivent faire la balance. Et le dernier point que je voulais amener, c'est la persévérance de ces jeunes-là. J'en ai vu tantôt. Je me demandais qu'est-ce qu'ils faisaient là. Ils étaient heureux d'avoir leur petite plaque, puis je pense qu'ils vont s'en tourner, puis après, ils vont peut-être coucher avec. Peut-être pas toutes, là, mais il y en a qui vont coucher avec. Parce que moi, je me souviens, la première plaque que j'avais eue lors d'une compétition de judo, j'avais couché avec. J'avais 14 ans. Mais j'étais fier de ma plaque. Les optimistes ont un but commun. Parmi les 2750 clubs en Amérique du Nord, le Canada et les Caraïbes, et certains clubs en Europe, les tout près de 80 000 membres, avec les clubs Octogone, les clubs Alpha, on a tout près de 105 000 membres actuellement, ils ont un but commun. C'est venir aider les communautés à réussir. La jeunesse qu'on a aujourd'hui, puis j'aime le thème de notre gouverneur Nathalie, nos trésors optimistes. C'est pas juste nos trésors optimistes. C'est nos petits trésors, c'est les gens qui nous font sourire. Je disais tantôt à votre président Buckingham qu'à date, cette année, j'ai parcouru tout près de 200 000 km en avion et en auto. Mais à chaque fois que je vais dans une soirée qui rend hommage à des jeunes, ou qu'on voit des jeunes nous faire un spectacle, je sors de là avec le sourire, même je suis fatigué, je sors de là, je me dis, c'est quoi? Ça a pris un club penser à avoir une idée pour faire une activité pour les jeunes. Le club Optimus Buckingham, chapeau, c'est très bien fait. I have the privilege to represent an organization that's worldwide. We have clubs in Canada, US, Caribbean Isles, some in Europe, some in Asia. And I've traveled over 200,000 kilometers this year just to notice that different clubs do different things. What this club has done tonight has basically knocked me out of my shoes. I really appreciated my evening. I saw the kids can be very determined in doing things. They put in a lot of effort in everything they do. And they persevere more than we do. And to Buckingham, to the Club Optimus of Buckingham, to his president, to the chair of this organization, congratulations. I really enjoyed myself tonight, and hopefully you have also. Encore une fois, les jeunes, félicitations, merci. Mais là, je voudrais m'adresser aussi à nos lauréats et lauréates. En parlant d'eux un peu. Si on les a honorés ce soir, c'est pour leurs efforts, pour leur persévérance. Mais aussi parce qu'ils ont été, au cours de toute l'année, dans leur famille, des éléments positifs qui ont contribué de façon importante à la qualité de vie de leur famille, de leur école, de leur entourage. Je pense que d'être un élément positif dans son environnement, c'est beaucoup de gagner. Pour tout le monde. Aux professeurs présents ce soir, aussi aux directeurs d'école, je sais qu'ils sont représentés ce soir par la directrice de l'école, Mgr Charbonneau, je crois. On apprécie beaucoup votre présence. Nous sommes conscients que nous vous demandons parfois un certain travail
qui est en dehors de vos tâches habituelles. Mais sans cette précieuse collaboration de votre part, nous n'aurions pas pu honorer 98 jeunes qui ont défilé devant vous ce soir. Alors, merci beaucoup. Puis, au nom du comité organisateur, je me permets aussi de dire que on est devenu pas mal bon. C'est notre 29e, et puis ça fait 4 ans que je suis impliqué dedans. Quand c'est le temps de travailler avec les écoles, de travailler avec les classes, pour distribuer directement les lettres aux parents, les informations, etc., on est devenu pas mal bon. Mais si on est pas mal bon là-dedans, c'est grâce à vous autres. C'est grâce aux professeurs qui écrivent les textes, c'est grâce aux directeurs qui acceptent que ce travail-là soit fait, qu'on peut réussir. Mais les enfants, eux, comptent aussi, en plus de leurs professeurs, sur leurs parents. Nous savons que la responsabilité des parents, elle est lourde, pour toutes sortes de raisons. Votre appui et vos encouragements constants auprès de vos jeunes ne passent pas inaperçus. On le voit dans les commentaires des professeurs, etc. Et ils revêtent une importance primordiale dans leur succès. On vous félicite. Mais aussi, nous voulons partager avec vous cette fierté ce soir, mais la partager aussi avec des grands-parents. Les grands-parents jouent un rôle important aussi dans l'appui à leurs enfants et dans leur ouverture aux petits-enfants. Alors, merci à tout le monde. On a dit tellement de merci ce soir que donc, je crois que vous vous sentez remercié. En tout cas, j'espère, parce que ça, j'ai trouvé de continuer. On est vraiment contents de la relation qui s'établit dans les salles au moment du gala de Mérite Jeunesse. Maintenant, on a des commanditaires. Je vais rapidement en faire la liste. Les chevaliers...